Moi, Marine, c'est le peuple. C'est la candidate du peuple. La jeunesse, elle est avec Marine Le Pen. C'est la meilleure future présidente. Je veux miser sur la jeunesse, cette belle jeunesse de France. On a installé les chaises, on a mis les affiches, on a été donné des drapeaux même au moment où le meeting avait commencé. La préparation s'est super bien passée, les gens sont au rendez-vous, c'est top. Là, on va coller un panneau juste à côté de chez moi, d'ailleurs. On va mettre deux affiches de Marine. Allez, c'est parti. Et ça m'a tout de suite donné envie de voter pour Marine, tout simplement parce qu'elle était simple et elle allait vers les gens, c'est-à-dire qu'elle était percutante. Moi, c'est ce que j'aimais chez elle. Et elle s'intéressait à tous les Français, déjà depuis 2012. Parce que c'est un terme qui a été prononcé par des gens qui sont satisfaits aujourd'hui du système, mais c'est tout à leur honneur. Aujourd'hui, on a bien vu ce que le système était capable de faire pendant 5 ans avec Emmanuel Macron. Donc Marine Le Pen est tout sauf d'extrême droite, et on le prouvera aussi pendant ces 5 prochaines années. Bonjour madame, pour les élections présidentielles dimanche. Merci. Bon marché, bonne journée. On a la chance au Rassemblement National d'être un parti qui fait confiance aux jeunes. Donc moi, ça m'a permis d'être candidat dès mes 18 ans d'ailleurs au municipal, après au départemental. Et puis en fait, on se sent utile aussi quand on milite, et c'est ça qui est important. J'ai commencé à militer du coup assez tôt, après les attentats du 13 novembre, parce que j'ai considéré que c'était pas possible que dans ce pays on ait plus de 130 personnes qui soient assassinées dans les rues de Paris. Et donc quand on considère que ça peut pas arriver, que c'est pas normal, et qu'on voit autour de nous les problèmes, que ce soit la désindustrialisation, les problèmes d'argent des gens, ou des fois la misère dans laquelle ils vivent, en fait on se dit qu'il faut changer les choses. Donc en fait, c'est ce qu'on dit aux gens. On fera peut-être pas tout ce que vous voulez, mais au moins on fera des choses. On mettra fin à la casse sociale, on défendra le pouvoir d'achat, on assurera la sécurité des Français. Et ça, je pense qu'en fait, qu'on soit de gauche, qu'on soit de droite, tout le monde peut s'y retrouver. Marine a toutes ses chances de l'emporter. Donc nous, on est là pour convaincre les derniers et pour mobiliser, surtout pour que les gens donnent sa chance à Marine ce dimanche.